Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, ouais, vidéo bilan. Ouais, j'ai dit que j'allais pas faire de vidéo bilan, mais je fais une vidéo bilan. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'organisation est dure. Et très dure. Je t'explique tout ça. Bon, en fait, celui-là, à l'heure où je te parle, on est dimanche après-midi. D'accord? Hier, samedi, j'avais un tournage toute la journée. Très long. Mais j'ai réussi à faire les choses bien, faire le montage le soir, livrer le projet au client. Tout était cool. Mais je te cache pas, j'étais fatigué avec la journée parce que je fais tournage. Après, je fais ma séance juste derrière en sport. Montage, j'ai livré au client. Là, je voulais une chose, je voulais jouer à la play. Et comme il y a la saison 2 de Call of qui est sortie, je voulais me faire plaisir un peu, tu vois. Du coup, journée de samedi, mort. Aujourd'hui, dimanche, à l'heure où je te parle, il est quelle heure? Il est 13h55, d'accord? Sur les coups de 15h, j'ai un tournage. Encore avec le frérot cette fois-ci, le frérot Jojo que tu as déjà vu sur la chaîne. Il a un sponsor, tu vois, il a un sponsor et on va lui faire une petite vidéo cool. D'ailleurs, je verrai si, pas à la fin de cette vidéo, mais à la fin d'une autre vidéo, si je pourrais t'en parler tranquillement et te montrer un peu ce que ça a donné. Parce que là, il faut que je lui fasse du lourd pour mon gars. Il faut vraiment que je lui fasse la meilleure vidéo de ma vie. Vraiment. Au niveau de mes vidéos et de ma chaîne pour venir au bilan, je tiens vraiment à tous vous remercier. À tous vous remercier, à vous et aussi bienvenue aux nouveaux abonnés et à vous remercier aussi. Parce que, ouais, en fait, j'ai dit dans deux vidéos plus tard, j'avais dit que, ouais, le mois de février était moins bien que le mois de janvier. Mais aujourd'hui, on vient d'atteindre les 2500 abonnés. D'accord? Ça veut dire que on a fait quasiment le même mois. En une vidéo par jour, on a fait quasiment le même mois. Premier mois, j'ai gagné peut-être 247 abonnés. Là, j'en ai gagné 250. Voilà, à peu près, un peu plus de 250. Donc, les mois se valent. Il y a peut-être 2-3 abonnés de différence, mais c'est rien. Sachant que février, il n'y a que 28 jours, tu vois. C'est-à-dire qu'en 28 jours, j'ai pu faire à peu près le même mois. Et je suis très content par rapport à ça. En termes de vues totales de la chaîne, bah, on est en train de progresser à chaque fois parce que les vidéos du mois dernier continuent à se voir parce que c'était programme, ça dure avec le temps. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui me font un retour sur Instagram, qui me disent leur ressenti, qui me demandent des conseils et tout, qui me suivent aussi sur Instagram. Parce que grâce à ça, ouais, j'ai gagné quelques abonnés sur Instagram. Donc, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, on est proche des 10K sur Instagram. Enfin, on est proche. Pour l'instant, je suis à 2900. Mais on est proche des 10K quand même. Je vous le dis qu'on aura un pistolet de massage. Je vous le dis les mecs. C'est sûr. En termes de revenus, bah, j'ai gagné le même revenu. Hein, le même revenu que le mois dernier. Parce que le mois dernier, c'est le mois où j'ai eu la monétisation. J'ai gagné le même revenu. Hein, le même revenu, c'est l'abonnement PSN de 3 mois. Voilà, si tu veux voir ce que ça fait au niveau du prix, je t'invite à chercher. Abonnement PSN en ligne 3 mois. Voilà, c'est ce que j'ai gagné exactement. Mais bon. Je sais que revenu YouTube, voilà, c'est pas des revenus astronomiques, sachant que avec les vues que je fais, c'est pas incroyable, mais ça fait du bien quand même de voir que tu peux travailler, avoir un petit revenu, ça fait du bien, quand même. Le mois de mars, qu'allons-nous faire pour le mois de mars? Bon, comme tu le sais, je l'ai dit dans 20 vidéos, hein, le mois de mars, programme, programme, programme. On va faire les choses bien pour le mois de mars. Des programmes de sport, on va apporter des vidéos qui donnent de la valeur, sachant que les programmes, ça me fait connaître, on va dire, ma chaîne, ça me ramène du monde et les programmes sont des vidéos qui durent avec le temps, d'accord? Très important ça pour ma chaîne. Du coup, on va faire des programmes, mais on va faire des programmes intermédiaires. On a fait des petits programmes à la maison, simples, débutants et tout. Là, en tant que débutant, si tu as suivi des programmes, là, tu es bien. Ça fait un mois que tu suis ou un peu plus, tu es bien. Il est temps d'évoluer, d'accord? Moi, je ne vais pas te laisser avec un programme facile. Je veux que tu aies mal, sinon. C'est pas marrant, d'accord? On va faire des programmes intermédiaires. Aussi, j'ai un programme pompe freestyle que j'ai envie de faire, d'accord? Pour ceux qui ont envie de s'y mettre, pour ceux qui veulent frimer, pour ceux qui veulent réussir à faire des pompes claquées et tout, on va faire ça aussi pour ce mois de mars. Je verrai de temps en temps si je fais un petit format vlog de ma journée, si je suis énervé ou s'il se passe des trucs de ouf. Ou alors si jamais il y a une actu de salle de sport, si ça ferme ou pas, bien évidemment, je ferai une vidéo dessus. Parce que ça aussi, c'est des vidéos qui ramènent du monde. Donc voilà. Je verrai ce que je ferai. Mois de mars, c'est le charbon. Je pense pas qu'il y aura une vidéo par jour, honnêtement.
parce que faire 2 mois de vidéo par jour, c'est usant. J'ai le rythme, ça va, on va dire, j'ai le truc maintenant, j'ai l'habitude. Parce que il me semble qu'il faut plus de 20 jours pour créer une habitude. Bah là, l'habitude, je l'ai créée de poster, quel qu'en soit ce que je fais dans la journée, bah, je poste ma vidéo sur YouTube. Mais là, je sais pas. Je sais pas. Et je suis en hésitation de ouf. Parce que je me dis que si je fais une vidéo par jour, là, le mois prochain, je vais vouloir faire pareil. Mais je vais voir, je vais voir. En vrai, je vais voir, mais je pense pas. Honnêtement, là, j'ai fait 2 mois. Ça y est, je suis bien. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de faire 1 ou 2 vidéos par semaine. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie et non. J'ai beaucoup trop de temps libre pour faire ça, clairement. D'accord? Et cette année, j'ai pas envie de dormir, clairement pas. Donc, il y aura du contenu. On va faire les choses bien. Mais 1 vidéo par jour, je cache pas, ça va être chaud. Si jamais tu vois dans l'espace communauté de ma chaîne, tu vois là où je pose des photos et je parle, si je te dis bon les mecs, c'est bon, j'ai craqué, c'est que là, dans mon mental, je me suis fait bon, dame, c'est bon, aujourd'hui 1 vidéo par jour. Et ça sera ça jusqu'à la fin du mois, clairement. On verra, vraiment. Sinon, voilà, on a un peu fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Ouais, je voulais revenir sur des remerciements, hein, vraiment. Merci à tous ceux qui commentent les vidéos, à ceux qui partagent, à ceux qui me suivent sur Instagram, ceux qu'on parle, on échange, on discute. Moi, je réponds à tout le monde, hein. Je suis pas une star. Je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, mais quand je peux répondre, je réponds. J'envoie un petit vocal et si on peut échanger sur plusieurs trucs, des conseils, je le fais, il n'y a aucun souci. D'accord? Et on va continuer comme ça pour faire les choses bien. Et entretenir la chaîne YouTube, c'est très important. Bon. Si t'as kiffé la vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Si tu regardes juste et t'es pas abonné, faut s'abonner. C'est important, faut soutenir la chaîne. Ok? Bon, sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.